Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 30 septembre et ce jour a été proclamé Journée mondiale de la traduction. Je vais donc en profiter pour vous expliquer comment traduire les sous-titres des vidéos Télécrayon. Donc ce qu'il faut savoir c'est que toutes les vidéos de Télécrayon sont déjà sous-titrées. En général je fais en sorte qu'elles soient sous-titrées avant de les mettre en ligne. Pour contribuer à un sous-titrage, c'est très simple. D'abord vous devez être connecté à votre compte YouTube. Vous allez ensuite sur une vidéo de Télécrayon, ça peut marcher avec les autres vidéos, mais c'est mieux faire celle de Télécrayon. Une fois sur la vidéo, vous cliquez sur les trois petits points. Un menu s'affiche, vous cliquez sur « Ajouter des traductions ». Vous arrivez sur la page de sous-titrage en français, que vous ne pouvez pas modifier. Vous cliquez sur « Changer la langue », vous choisissez la langue, on va prendre pour l'exemple l'italien. Voilà, vous vous retrouvez sur un menu avec la liste des sous-titres, qui n'attendent qu'à être traduits, ici en l'occurrence en italien. Ce qui est bien, c'est que vu que toutes les vidéos de Télécrayon sont déjà sous-titrées, vous n'aurez pas besoin de faire l'horodatage. L'horodatage, c'est le fait de caler le texte au bon moment par rapport au son. Ça peut être très long à faire, mais là du coup, c'est déjà fait et ça vous fera gagner un temps fou. Ensuite, je vous conseille d'utiliser le traducteur automatique, qui vous mâchera une bonne partie du travail. Le traducteur automatique n'est pas disponible dans toutes les langues. Le traducteur automatique va donc traduire tout du français à l'italien. Évidemment, c'est un traducteur automatique, il n'est pas très performant. C'est donc à vous, humain, de corriger les fautes de grammaire ou autres, lorsque vous envoyez. Ensuite, une fois bien avancé ou terminé, vous pouvez envoyer la traduction. Si un autre utilisateur arrive et décide de traduire le sous-titrage dans la même langue, il récupérera le travail déjà entamé. Enfin bref, j'espère qu'avec cette explication, vous comprendrez mieux comment traduire les vidéos de Télécrayon. Pour le moment, j'ai eu très peu de traductions, on peut dire pratiquement aucune en fait, donc si vous vous débrouillez assez bien dans une langue étrangère, pourquoi ne pas participer ? Même si votre traduction n'est pas parfaite, envoyez-la quand même, elle pourra toujours être utile à quelqu'un. Elle pourra toujours être modifiée par la suite. L'important, c'est que le locuteur étranger puisse comprendre la vidéo. Alors à vous de jouer. Bisous. Ah en fait, si aujourd'hui c'est la journée de la traduction, c'est parce que c'est la Saint-Jérôme, en l'honneur de Jérôme de Stridon. C'est lui qui a traduit la Bible en latin à partir du grec au IVe siècle.